Les 32 skippers en course ont attaqué la troisième semaine de ce Vendée Globe. Ce week-end, Thomas Ruyant a pris la tête de la flotte, mais pour 48 heures seulement, car ce lundi matin, c'est Charlie Dalin qui a pris les commandes. Bon, une nuit un peu plus rapide que ce que je pensais. J'ai eu pas mal de vent cette nuit au final. On a fait des belles pointes de vitesse, là, jusqu'à 25 nœuds. Et je pense que ça a permis de pas mal rattraper Thomas. Les skippers d'Apivia et de Lingdout ont profité du fort ralentissement d'Alex Thompson. En inspectant son Imoca Hugo Boss, le Britannique a découvert qu'un renfort structurel était endommagé, une lisse longitudinale à l'avant de son bateau qui sert à renforcer la coque. Après avoir consulté son équipe et positionné son bateau en sécurité, Alex Thompson s'est lancé dans une réparation. Il a embarqué les matériaux nécessaires et malgré des conditions difficiles pour travailler, il reste optimiste quant à la reprise de la course. En attendant, il s'est fait rejoindre par le groupe de poursuivants composé de 6 bateaux à foil et de Jean Le Cam, décalé à l'est. Pour ces bateaux-là, il a fallu faire un choix, faire cap à l'est pour couper l'anticyclone de Sainte-Hélène, comme le font Charlie Dalin et Thomas Ruyant qui tentent de passer dans un couloir étroit, ou continuer vers le sud-ouest pour contourner la zone de vent faible. Il va falloir trouver sa propre route et notre route est un peu plus pénible, un peu moins ventée, je pense. Ça va nous quand même encore occuper 3-4 jours. Et on va, oui, en moment, on va couper la zone anticyclonique. On va se retrouver de l'autre bout, je pense, en 4-5 jours, quoi. Donc c'est toute une semaine, c'est presque toute une semaine avec très peu de vent. Si par exemple, j'aurais misé sur la route extrême ouest pour faire le tour de l'anticyclone, là, je serais tout le temps très nerveux de vous regarder est-ce qu'eux, ils marchent à 3 nœuds ou à 12 ou à 15 nœuds. Être dans la même phase, être un peu ensemble, ça permet de voir quelle vitesse ils font, etc. Et donc, non, justement, ça rassure un peu. Ça va être compliqué parce qu'à un moment donné, il va falloir basculer certainement vers le sud pour aller chercher de l'air. Voilà, j'espère qu'on va pas rester coincé dans l'anticyclone de Sainte-Hélène à jouer trop près de lui parce qu'on va jouer très très près de son centre. Après, c'est des phénomènes qui bougent assez vite normalement, mais bon, ça va être compliqué, ouais. Un peu plus loin, de la 11e à la 19e place, c'est toujours un long bord au large du Brésil. Pip Hare, Arnaud Boissière, Didac Costa, Emmanuel Cousin se trouvent quant à eux au niveau de l'Équateur. Pour l'arrière de la flotte, l'heure est au poteau noir avec ses orages et ses puissants grains. À t'en veux du poteau noir ? Ah ouais, ah, c'est magnifique là. Enfin, Jérémy Bayou, en dernière position, a décidé de longer les côtes africaines. Là, j'ai trouvé un bon couloir de vent là, et j'ai un peu plus de vent que ce que j'avais prévu, donc là, je laisse le bateau parler, et puis là, le bateau est magique, hein, il n'est jamais sous 20 nœuds, donc c'est assez royal. Il y a un minimum qui s'est créé plus sur la route, et du coup, il a fallu choisir. C'est sûr que moralement, j'ai des hauts et j'ai des bas, hein, donc je suis vraiment triste pour Alex, parce que ça fait vraiment chier pour lui. Je ne sais pas où il en est là, mais le voir ralentir, le voir devoir faire une grosse séparation comme ça, c'est vraiment pas cool. Donc toute la journée, j'étais un petit peu à penser à lui. Donc souhaitez-lui tout mon soutien parce que j'espère qu'il va réussir à réparer, revenir vite dans la lutte. Au classement de 15h ce lundi, c'est donc Charlie Dalin qui était en tête avec 28 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Jean Le Cam retrouve la troisième place à 270 000 du leader, suivi de près par Kevin Escoffier sur PRB. Cinquième place pour Alex Thompson, quasiment à l'arrêt et qui va donc se faire dépasser par le groupe Herman, Bestaven, Burton, Simon, Davis. Quatorzième place pour Maxime Sorel, juste devant Isabelle Joschke. Un peu plus loin, Stéphane Le Diraison tente de réduire son retard sur le groupe Kremer, Athanasio, Roura. Arnaud Boissière, qui vient de franchir l'Équateur pour la 15e fois, est 22e avec 40 000 d'avance sur Manuel Cousin. Ce dernier voit revenir sur lui Armel Tripon, 24e. Jérémy Bayou ferme la marche à un peu moins de 3 000 milles du leader.